Salut les dessineux, j'espère que tout roule pour vous. Je vous reviens avec une nouvelle correction, donc février 2019, collection hiver. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous, chez moi ça caille. Donc ici, c'était un dessin de Chloé. Merci Chloé pour ton dessin, pour ta BD même, c'est une belle planche de BD. Donc ça se situe en Allemagne, on est en 1917. Donc là, tu es en train de nous montrer une situation de gamin qui court certainement avec du pain dans la main. Donc, revenez sale voleur. L'espèce d'officier là rattrape les deux gamins. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils ont dans les mains. Peut-être une carotte avec peut-être une tomate et un chou, j'en sais rien. Ou un pain d'ailleurs, j'en sais rien. Donc, quand tu mets des flèches comme ça, c'est bien de nous aider, tu vois, pour le sens de lecture. Le truc, c'est que on devrait implicitement savoir où on va dans une planche de BD. Alors s'il s'agit d'une planche de BD plutôt des pays de l'Occident, en général ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. Et si t'es pas sûr de toi en fait, comment savoir si on devrait passer ici ou si on devrait passer ici? Typiquement on passe de gauche à droite. Donc les deux cases au même niveau ici. Tu peux être sûr qu'elles vont être lues comme ça, d'accord? Tu peux être sûr. Le truc, c'est que après, on va automatiquement vers là, parce que on passe pas ici directement. On sait que là, il y a rien à ce niveau-là, il n'y a rien d'autre là. C'est toujours la même image, donc c'est sûr qu'on va aller en bas. Et là, on n'a plus vraiment le choix. On va pas aller là, d'accord? On va aller à gauche, parce que quand on arrive à ce niveau-là, on sait que là, il y a une nouvelle case, donc on va aller à gauche, d'accord? Donc si t'es pas sûr de toi dans ces cas-là, fais des grilles plus simples. N'hésite pas à faire des grilles plus simples. Surtout que quand on voit ça ici, on se dit, ben, finalement, à quoi sert cette case? Pourquoi elle est grande comme ça? Donc quand tu fais une planche de BD, je te conseille de préparer ça sur un petit storyboard et de regarder si ça fonctionne bien dans la lecture. Et de regarder, plus tu pourras regarder selon le nombre de cases dans ta BD. En tout cas dans ta planche, tu vas regarder aussi le rythme, parce que le rythme d'un manga, par exemple, c'est pas le même rythme qu'une BD franco-belge. Le nombre de cases par page détermine souvent le style. C'est pas vraiment le dessin qui détermine le manga, en fait, c'est le format qui détermine le manga. Donc, le comic, c'est un petit peu plus grand que le manga, et la BD franco-belge, c'est quand même nettement plus grand, et il y aura plus de cases en général. Quand il y a deux cases l'une à côté de l'autre, souvent, ces deux cases, il y a rarement un grand temps qui s'écoule entre ces deux cases. C'est souvent des actions qui sont très rapprochées, tu vois, dans un dialogue, etc. Et à part quand tu fais une transition entre une planche à l'autre, des fois, bah, voilà, il faut passer dans un autre décor. Donc, on va faire ce qu'on appelle une ellipse, c'est-à-dire qu'on va passer d'une scène à une autre. En général, il y a un changement de décor et il y a aussi un changement dans la chronologie. Donc, on passe dans le futur, en fait, dans le futur proche ou dans le futur plus avancé. Donc ici, il n'y a pas la possibilité de le faire en général. Des fois, on voit des ellipses à l'intérieur d'une planche, mais c'est plus rare. En général, c'est d'un passage d'une planche à une autre. Donc ici, l'action est relativement rapide. Donc le laps de temps entre les cases est relativement court. Donc c'est plus l'action manga. Bien sûr, dans certaines scènes en BD franco-belge, t'en trouveras aussi, hein, forcément. Mais c'est parce que ça montre des actions bien précises. Donc ici, c'est pas forcément très clair. T'as vraiment des différentes choses qui s'opèrent ici. Donc on comprend quand même le mouvement de lecture, donc t'as pas besoin de mettre les flèches. Le truc, c'est que quand on voit ce personnage ici, bah on sait, en fait, on ne sait pas trop où il était celui-là. On ne sait pas trop. Et puis, dans la perspective, il n'est pas vraiment bien placé. Ton choix de plan est pas si mal, mais ce qui est vraiment bizarre et bancal ici, c'est ta perspective. Et c'est vraiment dommage. Donc, dans la perspective ici, ça c'est un défaut qui arrive souvent, c'est qu'on veut toujours mettre les choses de face. Ça c'est quelque chose qui nous est propre à tous quand on dessine la première fois, quand on dessine un visage de trois quarts ou aussi bien une rue ou toute autre chose, on a envie de tout décrire. On a envie de tout décrire et donc on ramène tout de face. Tout. C'est-à-dire que ma main elle est de profil comme ça, je sais rien, comme ça par exemple, on la laisse de profil. Si elle est un peu de trois quarts, c'est soit on la met de face, soit on la met de profil. T'as remarqué ça?
C'est quelque chose qu'on fait tous au départ, quand on apprend à dessiner. Donc, ici, la ruelle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on ne connaît pas la perspective, ben, on va la remettre en face. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression que la caméra est tournée comme ça, vers la rue, vue de dessus, et en fait, on voit que les personnages sont vus de face. Donc, dans notre tête, ça fait un truc bizarre, tu vois. On se dit, mince, attends, les personnages sont de face, mais la rue, elle est beaucoup plus inclinée, en fait. Donc, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc c'est sûr que la perspective, il faut absolument que tu la comprennes. Et pour ça, je te conseille déjà de lire le mini-guide sur la perspective que j'ai fait et de t'entraîner avec juste des parallépipèdes, des cubes à un point de fuite, deux points de fuite. Et comprendre que sur la route ici, tu as, ici, regarde, tu vois ici, ça c'est incliné. Donc ça, typiquement, ça va être une rue qui est peut-être à un point de fuite, hein, d'accord? Tu vois toutes les fuyantes qui sont là, et certainement un point de fuite qui est tout en haut, là-haut, sur l'horizon, qui n'est pas visible, qui est hors champ, qui est hors champ. Et ici, il faudrait que tu te dises, est-ce que je peux représenter un cube ou un parallélépipède rectangle sur cette route, enfin sur ce trottoir? Et tu peux te servir de ces formes-là, et tu vas te rendre compte que ton cube il est incliné, d'accord? Sinon, les horizontales seraient horizontales ici. Et une horizontale, si c'était un point de fuite par exemple, donc là je vais prendre deux fuyantes ici. Donc si par exemple je veux représenter un cube, vraiment il faut d'abord que tu t'intéresses à la première face, celle qui est plus proche de l'observateur, et ensuite que tu fasses ta deuxième face, d'accord? Et que tu tiennes en compte des fuyantes qu'il y a au-dessus aussi, là. D'accord? Et là, tu auras un parallélépipède rectangle. Donc là, le parallélépipède rectangle, il faut que tu te dises, est-ce que je pourrais faire rentrer, par exemple, une chaussure? Est-ce que je peux faire rentrer une chaussure? Oui, celle-là, elle est quand même plus. Je pense, elle est un petit peu plus juste que ces pieds-là, par exemple. Ces pieds-là, ils sont un peu de profil, on ne sait pas trop ce qui se passe, puis j'ai jamais vu quelqu'un courir comme ça, tu vois. Il devrait y avoir un genou en avant, parce que là on a l'impression qu'il court en canard. Celui-là, il est plus crédible. Ton premier personnage à gauche, il est plus crédible, mais ton deuxième personnage ici, il a l'air drôle, mais il n'est pas trop crédible. Il est en train de sauter de joie, là. D'accord? Donc voilà, ça c'est des choses que tu dois tenir en compte. Je vais passer sur la perspective, parce que je pense que tu débutes quand même, mais je pense que c'est bien, il y a vraiment des efforts, donc c'est vraiment cool ce que tu me fais ici. Continue comme ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, donc quand je regarde cette action ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, j'ai du mal à comprendre si c'est ça en fait qu'il pense. Est-ce que c'est un flashback qu'il a? D'accord? Est-ce que c'est vraiment un flashback? Est-ce qu'il a un flash et il se dit, ces gamins, je les connais, tu vois. Et ça, je sais pas ça. Ça, je sais pas. On dirait un feu de camp avec des personnes. Est-ce que ça fait partie de ce qu'il est en train du. On appelle ça un throwback, je crois. C'est-à-dire toute une scène entière dans un feuilleton, par exemple. Toute une scène entière qui se passe sous nos yeux. Donc, c'est difficile à dire. Et après, est-ce que lui, il est en train de se dire ça? Mais oui, c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai retrouvé le fils de l'ancien général, mon vieil ami. Donc, est-ce qu'il pense que l'ancien général, c'est Albert Klaus? Enfin, c'est difficile à dire, ça va très vite là. On a du mal à s'imaginer ça. Quand est-ce qu'on voit le throwback? Où est-ce que ça s'arrête? Voilà, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile à mettre en œuvre, mais en couleur, c'est plus facile déjà. En couleur, c'est plus facile. Donc, ce que je te conseille dans ces cas-là, tu vas pas réinventer la roue. Je te conseille vraiment d'aller voir dans une BD que tu as bien aimée et de voir comment ils mettent en scène les throwbacks, justement. Souvent, quand c'est en couleur, ils vont mettre les throwbacks en noir et blanc. D'accord? Quand c'est un manga, ils vont rendre peut-être les contours troubles ou alors le décor trouble, tu vois. Ça fait un petit peu d'effet vaporeux autour, tu vois. Comme, je sais pas, dans Harry Potter, dans le quatrième Harry Potter, je crois. Il y a des effets un peu troubles autour. Ça fait genre. J'ai pas toute la mémoire, tout ce qui est autour, je sais plus, mais les personnages, je les vois à peu près, tu vois. Donc ça peut te donner des idées là-dessus. Mais encore une fois, n'invente pas la roue, va voir dans des bandes dessinées où ils font des throwbacks et des flashbacks, et tu verras peut-être mieux ce qui s'y passe. Sinon, concernant ton œil, donc tu as fait un œil en amande, c'est l'effet émotionnel est bien, parce que tu fais un avant-plan sur son œil. Alors, je sais pas si c'est l'œil de lui, mais je pense que oui, hein. On s'en rend pas compte parce que l'œil est vraiment trop grand. D'accord? Peut-être que j'aurais juste fait le regard avec le nez
et un nez qui soit reconnaissable et des yeux qui soient reconnaissables ici. Là, ça fait un petit peu trop. Voilà, si tu étais celle qui tient la caméra dans la BD là, approche-toi moins vite, tu vois, tu t'approches peut-être un petit peu plus, peut-être qu'on verrait toute cette partie-là du visage, mais pas que l'œil. Ça, tu pourrais le faire en trois images par exemple. Donc, une image où on voit ça, une image où on voit la tête ici un petit peu plus grande, bah, tout comme ça, cadré comme ça. Donc, premier cadrage, deuxième cadrage et troisième cadrage, tu vois, par exemple. Donc, ça, c'est voilà, c'est des choses qui vont venir avec le temps, tu verras que ce sera un petit peu plus clair. Quand tu n'es pas sûr de toi, tu peux faire lire ça à quelqu'un d'autre, à un ami ou une amie ou quelqu'un de ta famille. Ou sinon sur un forum, tu peux mettre ça sur un forum. Voilà, parce que bon, je ne serai pas toujours derrière toi, c'est sûr. Donc cet œil-là aussi, fais attention parce qu'il a un axe de symétrie ici. Cet axe de symétrie, sur un œil, ça ne fonctionne pas en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un œil typiquement en amande, c'est des yeux qu'on fait depuis qu'on est à l'école primaire, qu'on est même en maternelle, on a tendance à faire, bah, peut-être pas en maternelle, mais plus en CP, en cours préparatoire. On a tendance à faire des yeux comme ça parce que c'est plus simple pour nous. Le truc, c'est que ça ne nous apprend pas à dessiner en perspective comme ça. Eh ben en fait, tu fais exactement pareil que moi à ton âge. Et encore, je pense que tu fais plus d'efforts que moi. Je ne sais pas exactement quel âge tu as, mais moi, je faisais ça à 18 ans. Pour te dire, quand je dessinais, tout était de face déjà. Et c'est sûr que la perspective, je ne connaissais pas. Donc, je faisais des trucs comme toi, exactement pareil. Et je faisais soit les visages de profil, soit les visages de faux trois quarts. Juste avec le nez qui part de trois quarts et le reste qui reste de face. Donc je sais exactement de quoi je parle là. Quand tu me montres ça, d'ailleurs, dans mon dernier article, je ne sais pas si tu as vu mes vieux dessins, mais c'est exactement les mêmes choses que ce que tu me fais ici. En fait, tu peux diviser en trois parties et en général, la partie, donc ça si c'est un œil droit, tu auras la partie externe ici qui sera plus haute que la partie interne ici. Et là, tu peux diviser en deux segments. Donc là, ça casse la symétrie un petit peu, le fait de dessiner comme ça et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Aussi la taille de l'iris, je pense que l'iris est un tout petit peu trop grand pour moi ici. Voilà, grossièrement, c'est ça, exactement ça que je voulais te dire. Et voilà. Ensuite, un dessin de Cyril. Merci Cyril pour tes dessins. T'en as posté 4 et en fait, les autres étaient un tout petit peu trop parfaits dans le sens où il n'y avait pas vraiment de challenge. Et là, j'ai l'impression que tu t'es un petit peu plus. T'as un peu plus risqué quoi. Sur les autres, j'ai l'impression que c'est plus inspiré de copies, donc c'est toujours un peu difficile à critiquer ce genre de truc parce que en fait, on peut être super bon copieur et au final, quand on commence à dessiner des vrais trucs à soi, depuis la mémoire, depuis la projection mentale, tout ce qui se passe dans notre tête, c'est plus difficile. Donc celui-là, il ressemble un petit peu plus à un dessin que tu aurais fait peut-être d'imagination. Ce que tu peux améliorer ici, bah, je pense que c'est beaucoup d'anatomie, hein. En même temps c'est un personnage, de quoi tu veux que je te parle d'autre, à part un peu de perspective des fois. Je pense que tu gères bien et tu as bien compris la structure du visage. Ce qui manque ici, c'est plus la structure de la main, essayer de comprendre aussi comment un doigt est fait et comment ça marche dans la perspective aussi. Donc, les premières choses que je vois, les choses d'anatomie, hein, les petits défauts que je vois, c'est déjà d'une, j'ai l'impression que l'hémiface droite, elle est un petit peu trop haute par rapport à l'autre. Donc j'aurais tendance, tu vois, à dessiner l'œil un tout petit peu comme ça. Je pense que c'est légitime que tu aies essayé de comprimer la perspective, ça c'est très bien. C'est le contraire du syndrome Picasso où on met tout de face. Mais je pense que c'est, tu vois, le fait est que quand on regarde ton œil ici, on a l'impression qu'il monte vraiment trop haut. Ça donne, en tout cas, la forme paraît bizarre. Mais je vois ce que tu as voulu faire. Et aussi, ça, ce côté-là, ici, il est pas si clair que ça ici. Parce que quand on compare ce petit point et ce petit point ici, eh ben c'est pas la même courbe, ça donne pas le même rendu. Donc c'est soit tu vas adoucir ce coin ici, tu vas le faire au même niveau ici, parce que c'est une tête qui est, même si elle est de trois quarts, elle est relativement, le regard est relativement droit, et tu vas faire la même chose ici, là tu toucheras pas. Soit tu fais ça et tu fais ça. Voilà, ça fait à peu près les mêmes, ça rend à peu près les mêmes formes quoi, en symétrie. J'aime bien la tronche que tu l'as fait ici. Les dents ici, c'est pareil. Les dents, on a l'impression qu'elles sont un tout petit peu trop basses par rapport à l'autre côté ici. Alors, pourtant, on n'a pas l'impression que la tête est inclinée par rapport au visage que tu nous as fait ici en haut. Alors, c'est soit
tu inclines la bouche, soit tu inclines le haut du visage. Donc grossièrement, si je devais donc prendre. Ah oui, tu m'as. En plus, tu m'as. Tu ne me l'as pas retourné. Alors ça, c'est pas bien du tout. Alors, je vais devoir le retourner à la main. Rotation de l'image. 90 horaires. Voilà. Donc s'il te plaît, retourne tes images quand tu les postes. Ce serait vraiment cool. Et donc, oups, l'outil fluidité. Donc, qu'est-ce que je te disais? Donc, c'est soit je redresse la mâchoire, soit je redresse le regard. Enfin, j'incline le regard finalement. Donc, je vais incliner le regard, d'accord? Et d'un coup, regarde, quand on incline le regard ici, donc je vais remonter un tout petit peu l'œil par contre. J'incline le regard, comme ça, et d'un coup, tu vois, la bouche, elle est mieux placée, regarde. Tu vois? Et là, je vais faire la même chose, donc je vais revenir en arrière. Et je vais redresser la bouche cette fois-ci. Redresser la bouche, redresser le menton. Et tu vas voir la différence ici. Donc par rapport à ma version avant. Tu vois là? C'est subtil, mais tu vois quand même que là, ça a un petit peu plus de gueule. Et pas que le design de ton monstre est mal fait, hein, pas du tout. C'est vraiment dans la perspective, il se passe un truc. Donc ici. Voilà ce que j'aurais fait pour la tête, pour le visage. Deuxième chose, c'est les doigts. Quand on plie un doigt, qu'est-ce qui se passe? Alors, grossièrement, quand on plie un doigt, si tu devais regarder toutes les articulations de ton doigt, là, n'importe quel doigt, tu prends n'importe quel doigt, l'index par exemple, toutes les articulations de ton doigt, elles sont sur le même plan. Sur le même plan. Comme un plan, c'est vraiment comme une feuille de papier, là. D'accord? On peut montrer les articulations et les phalanges. Hein, si tu regardes le petit squelette, chaque petit segment du squelette de ton doigt, c'est tout sur à peu près, hein, mais c'est tout sur le même plan là, à peu de choses près. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on regarde cette main ici, on se dit ça doit être sur le même plan que cette articulation-là, que cette articulation-là. La troisième articulation, donc c'est l'interphalangienne distale, c'est celle-ci. Elle devrait être par là si tu plies le doigt, d'accord? Donc tout ça fait partie du même plan ici. Donc on devrait voir, dans cette perspective-là, on devrait voir un cylindre qui montre une autre face de la dernière phalange et aussi certainement une autre phalange, tout simplement. Donc, et il y aurait aussi des plis qui se font ici. Donc il y aurait logiquement, on verrait un petit peu plus de choses. Et c'est vrai que le pouce peut aller devant, mais si le pouce vient devant, je vais revenir en arrière ici, mais si le pouce vient devant, on va de toute manière voir à un moment donné qu'il y a quand même quelque chose qui se fait ici, et un transfert de matière entre la première phalange et la deuxième phalange. Et c'est vrai que la première phalange paraît un petit peu grande aussi. Voilà. Donc ça c'est pour les doigts ici. Avec l'arche de la main ici, on a une arche qui est dans ce sens-là en général. Donc c'est vrai qu'on peut l'aplatir un peu, mais là ça fait un peu bizarre. Quand on ferme le poing en général, l'arche elle est un peu arquée. Donc ce qui va arriver c'est que les métacarpophalangiennes ici, toutes ces articulations métacarpophalangiennes, elles vont former une espèce d'arche ici et tu verras de moins en moins le. Tu vois la phalange arrière là-bas. La phalange du petit doigt, la première phalange, tu la verras moins. Donc ça, c'est aussi une chose à penser. Quand tu regardes donc ton avant-bras ici, donc l'avant-bras, ça c'est le radius. Hein, et après, tu vois, tu as un muscle qui s'appelle le brachioradial ici. Le brachioradial, il va vraiment sur le bras. Hein, il va du côté du bras ici. Donc il faut pas l'arrondir vers le bas, vers le coude. Il faut justement le faire remonter ici. Et même si tu ne le fais pas aller très loin, tu peux être sûr que ce muscle ici va être de ce côté-là. Donc il faut faire remonter ce muscle ici, surtout quand le bras est plié comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi, c'est quand tu fais un triceps, je sais que la tendance est de le faire à la Dragon Ball Z. Dans le sens, dans Dragon Ball Z, quand tu regardes les muscles, ils sont souvent symétriques, ça fait un peu bonhomme Michelin. Sauf que le vrai, en tout cas, si tu devais synthétiser les rythmes du corps humain, tu verrais que finalement,
par rapport au deltoïde, par rapport au biceps ici, ton triceps est plus haut ici. Il est vraiment plus haut. Donc tu vas avoir une forme qui est différente et pas une forme qui est finalement symétrique ici par rapport à un axe ici. Et c'est un peu dans la correction d'avant, j'avais justement vu l'œil en forme d'amande comme ça. Il a un axe de symétrie et en fait, les choses sont rarement symétriques. Même un visage, globalement, il n'est pas symétrique. Quand tu le vois comme ça, tu te dis, ouais, c'est quand même symétrique. Il y a deux yeux, deux narines, voilà. Mais on n'est pas tout à fait symétrique non plus, tu vois. Donc dans la nature, c'est rare de voir des choses parfaitement symétriques. C'est très très rare. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, non, je pense que c'est à peu près bon. J'aime bien ce que tu m'as fait dans le cou, là. Ça, c'est vraiment cool. J'aime bien comment tu as représenté la plupart des muscles en haut ici. Bah c'est sûr que après tu as stylisé en mode écaille. Hein. Et puis tu as fait un deuxième bras ici. Donc le deuxième bras, il faudrait faire, je pense, passer une deuxième clavicule et faire une deuxième. Si tu voudrais vraiment faire un truc crédible là, il faudrait faire passer une deuxième clavicule. D'accord? Et pour ça. Il faut faire peut-être plus de relief osseux. Et encore une fois, ça, c'est fonctionnel, c'est une question de design. Et le design, ça doit être fonctionnel. D'accord? On peut faire un design avec une belle créature, mais il faut que ce soit quand même compréhensible. Est-ce que tu arrives à t'imaginer le squelette qu'il y a là-dessous? Est-ce que c'est ce qui va faire que ton design est bon ou pas? Ça va jouer en tout cas. C'est sûr qu'on peut faire des designs qui sont fonctionnels et qui sont pourris, hein, en tout cas qui sont pas très jolis. Mais le contraire, l'inverse, est vrai aussi. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui n'est pas fonctionnel, souvent, tu vas dire le design il est joli, mais quand je vais faire tourner l'animal et vouloir le faire bouger, si par exemple tu travailles un jour, je ne sais pas, pour un jeu vidéo et tu dois dire à un modeleur 3D, modèle-moi ça, comment tu vas lui faire riguer tout ça? Comment tu vas lui faire mettre le squelette d'animation? Tu vois, si c'est pas fonctionnel, ça va pas fonctionner. Donc voilà. Sinon, bah c'est pas mal ce que tu me fais. T'as vraiment un truc dans les visages. Ça me paraît pas mal naturel. J'aimerais bien avoir une BD de toi en mode tout fait d'imagination pour voir ce que ça donnerait. Et puis voilà. Je te souhaite bon courage pour la suite. Donc ensuite, un dessin de Chahé. Donc merci à toi de m'avoir posté ça. Donc tu me dis, je te souhaite un dessin qui date d'il y a un an et je compte redessiner. Mais justement, ça m'aiderait. De voir ce qu'il y a à améliorer. Et puis, je n'ai pas refait de dessin digital de ce genre depuis. C'est ce que je voudrais améliorer. Ok. Donc, quand tu fais du digital, quand tu commences le digital et que tu as quand même un certain niveau de dessin, et j'imagine que tu as fait ce dessin peut-être d'imagination, et c'est tant mieux pour toi. Peut-être que tu t'es inspiré de Princesse Mononoke ou j'en sais rien. Mais d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle porte. On dirait un âne qu'elle a au-dessus de la tête. Ça doit être chaud. Ce qui est important ici, c'est de comprendre la lumière. Comment la lumière interagit sur les différents matériaux. Et est-ce que c'est, au premier abord, est-ce que c'est aussi, les matériaux sont aussi réflectifs? Par exemple, une peau d'âne ou une peau d'animal, bah, ça va dépendre de quelle peau d'animal, hein, de quoi on parle, mais est-ce que c'est aussi réflectif que ça? Est-ce que sa robe est aussi réflectif que ça? Est-ce que sa peau est aussi réflexive que ça? Alors si elle était mouillée, oui, mais sinon non. Est-ce que cet anneau fait autant de lumière que ce qui paraît ici? Et est-ce que la direction de la lumière est bien? Parce que là, il s'agit d'une lumière locale, elle part de façon radiale dans tous les sens, et elle va s'épuiser au bout d'un moment. Et dans ton dessin, on n'a pas l'impression que la lumière s'épuise. D'accord? Donc c'est des choses qu'on peut voir ensemble. Et en plus, il y a des couleurs qui se rajoutent par-dessus ça. Donc quand tu veux t'améliorer en digital painting, et je pense que la plupart des instructeurs de digital painting font comme moi, c'est-à-dire ils préfèrent dire, bah, écoute, on va regarder ça en noir et blanc déjà, on va voir en niveau de gris si c'est déjà bon, parce qu'en niveau de gris, on voit la plupart des erreurs. Alors c'est vrai que les couleurs en niveau de gris, quand on passe du niveau de gris à la couleur, et qu'on utilise des différents calques de fusion, en général ça rend pas très bien. Parce que la couleur que tu utilises pour ton calque de fusion, des fois elle n'est pas tout à fait en synchronisation avec la valeur qu'il y a en dessous en fait. Donc c'est bien quand même d'apprendre à maîtriser ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir désaturer. Donc je vais copier ça ici, ou je vais créer un calque de teinte de saturation et je vais désaturer ça.
D'accord? Comme ça, on va le retrouver en dessus. Et je vais peindre par-dessus ça. Et est-ce que, déjà, on arrive à comprendre ce qui se passe ici? On arrive quand même à comprendre qu'il y a la lumière qui vient de l'anneau. Est-ce que cette lumière est puissante? On n'a pas l'impression qu'elle est super puissante, tu vois? Si elle était puissante, je pense que je peux mettre ça en bas d'éclaircir ici. Mais si c'était vraiment puissant ici, je pense que, tu vois, tu aurais un halo. Je vais peut-être faire ça avec quelque chose d'un petit peu plus diffus ici. Et tu aurais un halo ici qui va être légèrement plus puissant et tu vas avoir une surexposition de cet anneau, d'accord? Et tu pourrais même avoir un point super chaud au milieu ici. Et il y a peu de chances que tu vois vraiment les détails de l'anneau, d'accord? Alors tu peux peut-être avoir quelque chose de vraiment très très blanc ici. Je sais pas si je peux aller plus blanc que ça. Mais tu pourrais avoir vraiment quelque chose de très très blanc ici au milieu ici et qu'on voit la forme de l'anneau comme ça. Il y a très peu de chances qu'on voit le contour, d'accord? Donc dans ce genre d'effet, quand tu fais ça, il faut te dire c'est quoi la source ici? La source c'est certainement ta valeur la plus claire. C'est obligatoire parce qu'autour il y a rien. Donc voilà, il faut déjà voir ça comme ça. On a choisi notre valeur de 0 sur 10. Maintenant, on peut voir tout ce qu'il y a autour. Donc, là, une erreur de débutant, c'est souvent ça. Quand on voit une valeur aussi claire ici, on se dit, ah bah, on prend la même valeur. Hein. En général, on vient la voler avec la pipette. Et puis, on se dit, bah ouais, bah, sur la robe, hein, ça va être aussi blanc. Hein. Ça va être comme ça. C'est impossible. C'est impossible parce que il faut comprendre que la lumière, elle se répartit. Donc si le point ici, c'est un point qui correspond bah, finalement à cet petit objet, la lumière, elle va se répartir de façon radiale ici. Hein, c'est une onde. Je ne sais pas si tu as vu ça en physique, mais voilà, c'est une onde. Donc elle va avoir une perte. Il faut se dire, on ne peut plus utiliser le blanc là. On aura forcément utilisé, il faut faire en fonction du matériel sur lequel ça réagit, d'accord? Si la robe ici est relativement mate, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas vraiment ça là qui va se passer ici, d'accord? Il y aura un dégradé de valeur ici, d'accord? Il y aura certainement donc des endroits où ce sera un petit peu moins clair. Là, sous l'écharpe, bah, c'est pas une écharpe, mais sous la fourrure, ça va être un petit peu moins clair. Donc tu vas avoir des ondes portées. Et là, peut-être qu'on va commencer à comprendre qu'il s'agit effectivement d'une lumière locale, c'est-à-dire une petite lumière, d'accord? Donc là, il va y avoir un dégradé de valeur, hein. Ici d'ailleurs, voilà, plus comme ça d'ailleurs. Et plus tu vas t'éloigner vers la droite là-bas, et moins ça va être fort. Donc ici, tu peux être sûr déjà que la valeur va être moins forte, d'accord? Donc là, tu peux repeindre et tout. Là, tu peux te dire, bah là, la valeur est beaucoup moins forte. Donc là, il va y avoir un halo sur la robe, où ce sera un tout petit peu plus fort, et il faut comprendre que c'est la surface qui est vraiment face perpendiculaire au rayon qui arrive qui est le plus clair. Donc c'est cette partie-là. Là, si tu regardes de profil, la courbe commence à aller un petit peu vers le bas. Donc c'est sûr que ça, c'est une valeur un petit peu moindre. Et après, ce sera une valeur un peu moindre. Et après, ce sera une valeur un peu moindre. Ça marche vraiment par strate, hein. Donc grossièrement, si tu devais peindre les valeurs, ça ferait quelque chose comme ça. Après, c'est sûr que tu peux montrer que c'est une forme plus ronde. Donc là, tu vas utiliser donc des dégradés un petit peu plus simples. Mais grossièrement, ça va réagir comme ça. D'accord? Donc une fois que tu as compris ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui manque? Donc ça manque un tout petit peu de... Je comprends la direction que tu as voulu faire et je sais que c'est un peu un rendu manga que tu as voulu faire. Donc tu as tranché un petit peu les valeurs. Je pense que pour une scène comme ça, c'est vraiment difficile de trancher les valeurs. Vraiment super difficile. Tu peux pas trancher les valeurs avec deux valeurs par matériau. Il y aura peut-être trois ou quatre valeurs par matériau pour faire quelque chose d'à peu près réaliste, tu vois. Donc c'est ce que tu as essayé de faire. Toi, tu as fait trois valeurs par matériau. Et c'est bien, mais c'est vraiment le minimum. Sinon, ça devient vraiment compliqué. Tu vois, 3, ça commence à être vraiment difficile. 2, là, ça commence vraiment à être très, très, très dur. C'est possible, hein, mais ça va plus ressembler à des comics qu'on voit en noir et blanc, tu sais, les trucs avec des ondes très tranchées. Et tu es obligé de tricher avec les contours des fois. Dans notre cas ici, je pense que tu t'en es bien sorti. Mais je pense que les valeurs ici, par exemple, là, ça fait un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il y a un espèce de halo. Tout ça, par exemple, pour moi, c'est... Ça devrait être de la même valeur parce qu'on est caché de la lumière. Après, rien ne nous empêche de revenir travailler avec des lumières ambiantes, c'est-à-dire des lumières qui sont autour. Hein.
Parce que il peut y avoir des petites lumières ici, parce que là, c'est pas tout noir. Ça veut dire qu'il y a de la lumière qui vient de quelque part, forcément. Mais cette lumière, elle a peut-être une directionnalité. Donc tu vois ces valeurs-là, peut-être que tu vas pouvoir. Je vais faire ça avec un autre calque. Voilà. Tu vas peut-être pouvoir, tu vois, te dire, voilà, bah ça va être une valeur, tu vois, qui est rehaussée, c'est rehaussé sur le dessus. Donc après, bien sûr, tu peux les diffuser, mais dans le sens où tu vas avoir peut-être des lumières d'ambiance qui vont venir un petit peu montrer le volume en haut, par exemple. Ou sur le côté ici, hein, ça peut être là, ici. Et tu peux faire ça de différentes manières. Soit tu fais ça en venant éclairer un tout petit peu cette zone, soit tu fais ça en venant mettre une ombre d'occlusion, c'est-à-dire c'est l'inverse, hein, mais c'est exactement le même principe. Par exemple, toutes finalement les surfaces qui se rapprochent, tu vas les foncer un peu. Donc par exemple, typiquement, ici, ça se rapproche un peu, et après tu as juste à venir dégrader un petit peu les côtés ici, et tu vois tout de suite, ça donne l'impression que ces deux, tu vois, ça fait pop, tu sais, ça vient en relief sur le dessin. Et tu peux faire pareil, par exemple, typiquement ici, là, tu vois. Donc une petite valeur ici. Et après, tu viens diffuser la bordure ici. Et tu vois tout de suite, hop, ça ressort. Et tu peux faire pareil pour toutes les surfaces qui se rapprochent ici. Et tu vas voir que tu vas vraiment gagner en volume, juste en faisant ça. Voilà, donc c'est bien d'avoir un diffuseur aussi. Moi j'ai toujours un diffuseur pour diffuser la netteté des bords. Et ça marche bien. Et des fois je passe. Ça c'est vraiment un calque où tu prends vraiment beaucoup de temps pour le faire. Parce que ça c'est ce qui prend le plus de temps en fait, de montrer une espèce de lumière ambiante qui vient de quelque part. Et pour ça, c'est souvent des lumières très diffuses, des lumières ambiantes. Donc, on essaie de diffuser au maximum la lumière. Donc, soit peindre la lumière et de la diffuser, soit peindre les ombres de contact et de les diffuser. Voilà. Donc, grossièrement, c'est ça. Et concernant les couleurs, c'est vraiment bien. Ce qui est bien avec tes couleurs ici, c'est qu'on comprend bien que la couleur de la peau est vraiment crédible par rapport à la couleur d'ambiance. Donc, ça, c'est vraiment bien vu de ta part. Donc, ce que tu peux faire aussi dans tes aplats, c'est venir créer. Donc une espèce finalement d'illusion de profondeur avec ça, en tout cas d'illusion d'occlusion dans tes couleurs ici. Donc tu prends la lumière d'ambiance, ben, c'est cette couleur-là, hein, finalement un peu bleutée ici, et tu vas venir donc peindre un petit peu ici par-dessus. Donc je vais essayer de saturer un petit peu plus peut-être la couleur ici. Je vais venir peindre ici en dessous, ici, d'accord? Là je vais créer un espèce de dégradé à l'intérieur de l'ombre, et ça va finalement on va feinter un petit peu en fait, et ici je vais quand même diffuser un tout petit peu ça, et ça va créer donc cette impression ici que le bras est dans une ombre d'occlusion. Donc c'est que des stratégies comme ça, mais dans tous les cas mieux vaut t'entraîner déjà comme ça, sans les couleurs, sans les teintes finalement. Et ça t'aidera vraiment à mieux maîtriser le volume. Parce que ce genre de manga, enfin en tout cas ce genre de style très découpé, ça peut vite, vite être très difficile quand tu essaies de faire ça en couleur directement. Et surtout dans des ambiances vraiment spéciales comme là, où il y a une seule source de lumière. C'est difficile. C'est plus facile de rendre ça en plein jour, par exemple. Alors pas au niveau des couleurs, mais au niveau des valeurs. Mais au niveau des valeurs ici, c'est sûr que tu vas devoir travailler. D'ailleurs, j'ai oublié les couleurs ici. Mais c'est sûr que tu vas devoir travailler vraiment plus en profondeur ça. Donc il faut que tu fasses attention à la direction. Là, c'est une irradiation qui est radiale. Tu perds de l'intensité. Plus tu t'éloignes de la source, et ça va très très vite, surtout pour une petite taille comme ça, même si c'est très intense. Et voilà, typiquement ici, tu vois, ça devrait pas être aussi intense ici. Donc je vais revenir ici dans mon cas où on voit une lumière aussi forte. Donc ici, là, ça normalement, ça devrait pas être là, ce truc-là. Ou alors, tu peux venir diffuser avec une valeur un tout petit peu moins forte ici, d'accord? Donner l'illusion que tu as. Que tu as une valeur ici, d'accord? Et le truc, c'est que je ne sais pas si c'est à cause de la taille, c'est-à-dire le bassin ici, ou je ne sais pas si c'est à cause de la fourrure ici, qui cache, on dirait, je ne sais pas si c'est une ombre portée en fait. Donc il faut vraiment que ce soit clair dans ta tête
Et pour moi ici, c'est pas vraiment clair, je sais pas trop. Je pense que si c'était vraiment une ombre portée, je pense que ce serait un petit peu plus proche ici. Ce serait plus proche. Et ça se serait dégradé vers le bas ici. Là aussi, ce serait un peu plus proche. Et ça va rapidement se flouter ici. Comme ça ici. Et je pense même que là, ça remonterait peut-être un tout petit peu. Et là, c'est sûr que là, tu perds de l'énergie ici. Donc tout là, ça perd de l'énergie parce qu'on s'éloigne de la source lumineuse. D'accord? Donc, c'est pas évident, hein. Je sais que c'est pas évident. Mais il faut aussi comprendre que tu perds de l'énergie plus tu t'éloignes. Voilà, et en bas aussi, tu auras tendance à perdre l'énergie. Donc là, tu peux rajouter un petit dégradé ici. Et là, on commence à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus crédible, tu vois. Donc c'est pareil ici. Quand tu joues avec l'ombre et la lumière ici, l'ombre, elle ne va pas être tout à fait uniforme. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura forcément, donc, soit une valeur un petit peu plus sombre au niveau du terminator, c'est-à-dire entre l'interface et l'ombre et la lumière, et tu vas avoir un petit peu plus de clarté quand la surface de la chose regarde à l'extérieur et regarde finalement tout ce qui est lumière d'ambiance. Il y a de plus grandes chances que la lumière d'ambiance ici, dans ce cas-là, vienne du haut. Donc en bas ici, ça va être un petit peu plus sombre. Donc au niveau du Terminator et en bas ici. Et plus tu vas aller à l'extérieur ici et vers le haut, et plus ça va être clair. D'accord? Donc c'est des choses à penser. Et tu peux même, dans le Terminator, détailler un petit peu. Et tu peux montrer un peu la texture aussi à l'intérieur du Terminator ici, si tu veux vraiment faire un truc un peu plus semi-réaliste, d'accord? Mais si tu veux vraiment découper les ombres comme dans un manga, tu risques de faire des trucs bizarres. Le rendu va être bizarre, d'accord? C'est pas impossible, c'est juste que les valeurs doivent être choisies par rapport au matériel et par rapport à la source lumineuse, l'intensité et la direction. C'est vraiment ça. Voilà ce que je peux te dire sur ça. C'est sûr que j'aurais bien fini ton speed painting là, enfin ton digital painting, mais ça va me prendre un petit peu de temps. Donc voilà ce que j'avais à te dire, c'est des conseils généraux. Ensuite, un dessin de Nelly. Merci Nelly pour ton dessin. Donc tu me disais que c'était un portrait qui te tenait à cœur parce que tu avais fait déjà parce que tu avais fait ce portrait avec la personne en face de toi. Et c'est pour ça que tu m'as joint une photo de trois quarts léger, qui montre la personne, mais c'était juste pour me montrer la personne en fait, vu que tu l'as fait en live ce dessin finalement. Et c'est vrai que le fait que tu repasses souvent sur tes traits comme ça, au bout d'un moment, ça fatigue le papier, ça fatigue le dessin aussi, parce que pour un portrait, plus c'est comment dire, plus c'est instantané, plus c'est joli, pour moi en tout cas. Pour ce qui est de la lumière, c'est difficile des fois de s'imaginer les formes simples. Et c'est souvent ce qui va stresser un peu le dessinateur qui est moins expérimenté, c'est de se dire, eh ben en fait, finalement, cette tête, c'est une grosse boule, tu vois. C'est une grosse boule, c'est sûr, avec des petits reliefs par-dessus, mais ça reste une grosse boule globale, un espèce d'œuf, finalement. Et il faut absolument qu'on comprenne le volume global de cette dame. Donc, qui est peut-être d'ailleurs ta grand-mère. Ça, je ne saurais pas le dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais te montrer quelque chose ici de vraiment important. Je vais faire comme si c'était une forme globale, tout ça là. D'accord? Donc, je vais faire comme si c'était un œuf. Je vais peindre un œuf par-dessus ici. Ok? Donc, je vais faire ça peut-être avec des valeurs un petit peu moins importantes ici. Si la lumière vient d'en face, qu'est-ce qui va se passer? Si la lumière vient d'en face, tu peux être sûr d'une chose. Plus on va se rapprocher du centre, et plus la surface qui est au centre va renvoyer la lumière, parce que la surface est perpendiculaire, et la surface au milieu là est plus perpendiculaire que la lumière est de face. Le rayon arrive comme ça, et la surface finalement qui finit là, tangentiellement, tu vas avoir un angle de 90 degrés, et c'est là où tu vas avoir finalement tes valeurs les plus claires. Donc je vais faire un dégradé jusqu'au centre ici, de plus en plus petit. Et tu vas avoir donc quelque chose comme ça pour finalement un matériel qui est mat. Donc
Là, je vais juste créer un dégradé ici pour que ce soit plus clair. Donc grossièrement, tu vas voir quelque chose comme ça ici. Je vais baisser l'opacité, je vais te montrer ce qui se passe maintenant. Donc sur ton dessin en dessous, regarde ici. Tu vois, c'est pas clair. Ici, on a l'impression qu'il y a de la lumière qui vient ici, alors qu'on a vu que ça, c'est forcément quelque chose qui regarde à l'extérieur, hein. C'est une surface qui regarde à l'extérieur. Et si la lumière vient vraiment d'en face, s'il n'y a qu'une seule source de lumière, cette partie-là sur le côté, va être plus foncée, d'accord? Et plus on va se rapprocher du centre ici, hein, typiquement ça va être. Donc là, je vais retravailler par-dessus ici. Je vais repartir de valeur un petit peu sombre ici. Donc on va simplifier la lumière au maximum au début. Et j'hésite pas de plisser les yeux parce que ça aide vraiment à voir les valeurs. Et je vais rajouter donc une couche de lumière ici, d'accord? J'essaie d'imaginer donc les petites surfaces qui regardent à l'extérieur ici au niveau du. Il faut que ce soit clair dans ta tête en 3D, hein. Donc tout ce qui est en haut, vers le haut et vers les côtés, ça va être plus sombre. Plus ça va être de face, et plus ça va être clair, d'accord? Donc là, il va y avoir une surface qui est plus claire ici. Et là, ça va replonger un petit peu, parce que si tu vois un profil, tu vois, ça s'incline un petit peu. Donc là, tu peux être sûr que ça va être un petit peu plus sombre ici. Et on va revenir sur une surface relativement claire au milieu, là, au milieu du nez. Et sur les côtés, sur les ailes, tu vas avoir donc plus de sombre. D'accord? Et encore une fois, j'étais pas là ce jour-là. C'est difficile pour moi de m'imaginer ce que toi tu voyais. Parce qu'il y a de fortes probabilités. Le jour où tu étais là, il y a de fortes probabilités qu'il y avait peut-être une fenêtre sur la gauche et une fenêtre en face, ou en tout cas une lumière artificielle. Parce que j'ai vu que là, tu insistais sur cette valeur sur le côté ici. Mais grossièrement, c'est la simplification des formes et des valeurs qu'il faut que tu maîtrises. Parce qu'on a vite tendance à se perdre, on a vite tendance à en faire trop. Et c'est ça qui bug un petit peu. Donc, en général, ce que je dis à mes élèves, c'est essayer d'imaginer l'arcade sans le sourcil. Parce que le sourcil, il vient un petit peu fausser la perception qu'on a des différents reliefs. Donc ce que je dis, c'est on essaie d'imaginer dans un premier temps les formes sans toutes les choses qui viennent nous parasiter la vue. Et après, je viens arrondir évidemment. Hein, ben là, moi, je peins, mais toi, tu dessines. Moi, je viens arrondir un tout petit peu les bords ici. Tu vois, et ça devient plus facile de voir la forme comme ça. Et donc, c'est pareil en dessous ici. Si ça vient de face, c'est sûr que le bas des yeux sera plus foncé ici. D'accord? Et c'est sûr que au bout d'un moment, bah, peut-être ici, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Là, ce sera peut-être un petit peu plus clair parce que c'est un petit peu plus face à la caméra. Ou en tout cas vers l'observateur, tu vois. Et après, c'est sûr qu'il faut arrondir les bords, donc quand ça s'arrondit un peu, c'est sûr que les contours sont moins nets. Mais grossièrement, c'est comme ça qu'il faudrait avancer, tu vois, et en tout cas réfléchir et simplifier les valeurs comme ça. Et c'est sûr qu'après, au niveau du nez, tu vas avoir des valeurs un petit peu plus claires au pourtour ici, d'accord? Il va y avoir un dégradé quand même. Et voilà, ça c'est concernant la lumière, il faut penser comme ça. Tu essaies de faire ça une lumière après une. C'est-à-dire que quand tu es dans un environnement déjà, tu vas demander à ta petite mamie, là, tu vas lui dire, bah écoute, on va se mettre ici, ou écoutez, je sais pas si tu la vous vois, mais on va se mettre ici, et tu la mets face à une lumière, et tu l'orientes par rapport à une seule lumière. Et tu verras que c'est beaucoup plus simple, parce que si t'as pas de lumière dominante, comme typiquement. Sur cette photo ici, il n'y a pas de lumière dominante. On sent que l'intensité est un tout petit peu plus forte sur la lumière venant de face, mais par contre, ça reste vraiment très plat. Et c'est vrai qu'une personne âgée, on se dirait, bon, bah, on va essayer de la flatter un petit peu et on va essayer de l'aplatir un peu les volumes. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, en fait. Je pense qu'il faut mieux assumer l'âge de la personne et avoir une lumière qui est plus forte. Tu vas avoir quelque chose de plus affirmé. Et je sais qu'on est tous un peu timides, surtout qu'on a
jamais fait ça ou qu'on n'a pas vraiment l'habitude, surtout qu'on a envie peut-être de rendre la personne, peut-être qu'elle a une valeur sentimentale pour nous. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous de, voilà, de faire bien les choses. Mais je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer dans ta tête, quels que soient les choix que tu fais dans la lumière et dans le placement de la personne par rapport à la lumière. Voilà. Donc une lumière bien directionnelle, par exemple, une lumière du nord. Qui vient d'une fenêtre, ça marche très bien en photographie, donc ça marche aussi très bien en dessin. Donc de face, je pense que ça aurait bien rendu, tu vois, et ça aurait plus fait quelque chose comme ça ici. Donc encore une fois, je vais essayer de retravailler par-dessus ce que tu as déjà fait, mais en tenant compte déjà de ce que tu m'as fait. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de lumière ici, mais je te dirais, peut-être on va recouvrir ça. Là, les cheveux, on ne sait pas trop où ils finissent, où ils s'arrêtent ou quoi. Donc, on va essayer de revenir un petit peu avec du volume un petit peu par-dessus là. Et quand tu regardes ces cheveux ici, tu vois, si tu plisses les yeux, tu vas voir que les zones d'occlusion entre les cheveux sont très claires. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de cheveux clairs. C'est comme des cheveux blonds. On n'a pas beaucoup d'occlusion. Donc, les valeurs varient très peu en haut. Donc, tu peux garder une valeur qui reste très claire et éviter de faire des occlusions. Voilà. Et de temps en temps, t'en fais, mais des choses un tout petit peu plus, un tout petit peu moins sombres, tout simplement. D'accord? Donc tu vois ce genre de valeur-là. Donc là, ça veut dire que t'as pas trop appuyé. Là, c'est pareil. Je remplace toutes les valeurs où tu as vraiment appuyé. Et tu vas voir que d'un coup, déjà, on va avoir moins un petit peu les traits de construction ici, ce qui est bien, hein, parce qu'on a tendance à trop détailler dans les cheveux. Mais on va surtout avoir l'impression que c'est un tout petit peu plus réaliste, tu vois? Regarde la différence, là on voit que c'est des cheveux blancs. Tandis que avant, on voyait pas que c'était des cheveux blancs. Avant, on aurait dit peut-être des cheveux gris, tu vois. Alors que cette dame n'a pas du tout les cheveux gris. Elle a les cheveux vraiment blancs de chez blanc. Voilà, donc ça c'est une chose. Au niveau du nez, le nez est vraiment très bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on revoie ensemble. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que j'utilise l'outil fluidité, ça va plus vite. Et j'essaie donc de regarder un petit peu ce qui se passe dans ce visage. Donc quand je regarde ce visage, qu'est-ce que je vois? Je vois que la bouche est très près du nez. Et c'est vrai qu'avec le temps, les personnes âgées, si elles n'ont pas de dentier, on voit leur bouche se rapprocher du nez. C'est quelque chose qui arrive souvent. Et donc, on va tout ramener vers les yeux ici. D'accord? On va tout ramener vers les yeux. On va essayer de rééquilibrer les yeux ici. Et c'est vrai que les yeux ont tendance à tomber, les paupières ont tendance à tomber. Ça, c'est normal. On le voit d'ailleurs sur le modèle ici. On voit les paupières qui tombent ici. Donc, effectivement, les paupières tombent. Mais il ne faut pas que ça change la forme globale de l'œil. Dans le sens où ça, c'est juste la paupière qui tombe. Mais en dessous, d'accord? En dessous, ça ne tombe pas. C'est la peau, finalement, qui a sur le côté ici, dans l'arcade, qui tombe. Okay? Donc, il faut bien s'imaginer. Que c'est pas vraiment l'œil global qu'on voit, l'œil classique ici, hein. C'est juste cette impression d'avoir l'œil un petit peu plus clos et un petit peu plus penché sur le côté ici. C'est juste parce que cette peau-là tombe sur le devant. D'accord? Donc tu peux pas représenter le pli de la paupière ici. Tu peux pas le représenter. Tu vas être obligé de venir. Dessiner par-dessus ici, d'accord? Donc cette partie-là, normalement, on ne devrait pas vraiment la voir. Il devrait y avoir un petit peu de peau qui tombe devant. Après, ça dépend aussi de la fatigue de la personne en général, hein. Mais bon, c'est voilà, la gravité fait son effet. Voilà. Donc j'étais en train de corriger. Excuse-moi, j'étais en train de corriger d'autres choses. Le nez a l'air un petit peu plus de cette photo-là. J'ai l'impression que le bout du nez a l'air un tout petit peu plus crochetu, en crochet vers l'avant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bout du nez ici de face, il va être un tout petit peu plus vers le bas ici, par rapport aux narines. D'accord? Alors, encore une fois, je ne sais pas si cette personne ressemble à ça de face, mais je pense que c'est peut-être plus proche de la réalité. Et encore une fois, je ne saurais dire. Et il faudrait peut-être d'ailleurs que j'arrondisse un tout petit peu plus le nez devant, parce que ça fait un tout petit peu plus. Voilà. Alors, peut-être que les narines sont aussi grosses, mais peut-être pas aussi visibles par contre. Donc je vais les aplatir un petit peu dans cette perspective-là. Après tu me diras si c'est si c'est ressemblant, j'en sais rien. Les poches ont l'air un petit peu plus grosses sous les yeux, par exemple. Et je vais pencher un tout petit peu plus cette ride ici sur le côté.
Et on va lui faire un petit sourire, on va lui faire juste un petit sourire. Alors c'est vrai que la personne peut-être souriait pas ce jour-là, mais je pense que je lui ferai un sourire. Ça, t'as bien vu ça sur le côté ici, c'est l'espèce de, bah, finalement, de petite, je sais pas comment on appelle ça, mais ça a tendance à tomber sur le côté, effectivement, avec l'âge. Et c'est ça. Et tu peux, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire attention à pas trop appuyer tes contours ici. Tu vois, typiquement ici, tu vas remplacer ça, ce contour-là, par une valeur un tout petit peu moins forte. Et ça suffira pour qu'on comprenne la connexion entre le haut du visage et le cou. Ça suffira largement. Mais pour moi, je remplacerai ça. Par des choses un petit peu moins visibles ici. Là, tu vois, là c'est pareil, j'essaie d'arrondir un petit peu. Peut-être que j'aurais tendance à renforcer un tout petit peu cette partie ici. Voilà. Et évincer ce le plus possible cette partie en bas ici. Ça fait un petit peu bizarre. Je peux peut-être renforcer un tout petit peu l'ombre d'occlusion sur le côté ici. Quelque chose comme ça ici, mais là il faut bien diffuser cette partie-là. Donc tu peux faire des bornettes, mais avec des valeurs plus claires, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Là je peux faire pareil de l'autre côté, mais il faut bien diffuser ce qu'il y a en bas ici. Ok. Là je peux faire pareil ici, mais bien diffuser ce qu'il y a en bas, ici là. Donc tu vois de loin, ça sonne un petit peu plus juste ici. Voilà, et je vais refaire un peu le menton là parce que je l'ai un peu estropié. Voilà, tu vois de loin, on a tendance à comprendre un petit peu mieux. Et il y a moins de contours. C'est pareil pour les rides. Les rides, c'est pas vraiment des contours. Les rides, c'est une valeur, d'accord? Donc par exemple, cette valeur-là ici. Et là, il y aura un dégradé de ce côté-là ici. Donc c'est net d'un côté et de l'autre côté, c'est dégradé. Je vais faire ça avec en peignant, c'est peut-être mieux. Voilà, ici tu vois, ce sera plus dégradé. Et là, on suggère la forme arrondie ici. Pareil de l'autre côté ici. Là, c'est moins visible. On va faire pareil, on va créer une vraie forme de ce côté ici. Il faut pas avoir peur des formes. Il faut juste comprendre la forme au départ. Il faut pas avoir peur d'aller dans les valeurs, tu vois. Faut pas avoir peur des valeurs. Parce que si tu prends jamais de risques, tu pourras jamais savoir si tu as fait les choses bien ou pas. C'est ça le truc. Et ça peut être un problème. Donc là, il y a peut-être trop de lumière en bas, là. C'est rare de voir de la lumière qui vient d'en bas. Hein. C'est très rare. Sauf si la table est blanche en bas. Mais ça m'étonnerait que la table était aussi blanche en bas. Ou que la surface en bas était aussi blanche. Donc là, il faut simplifier là. Ça, c'est tout le travail que tu as fait en trop, je pense. Tu t'es un peu perdu dans tes valeurs. Et c'est normal, au début, on se perd souvent, mais il faut simplifier les valeurs au maximum. Et il faut donc, pour simplifier ces valeurs, il faut absolument que tu visualises ce que tu fais en trois dimensions. Encore une fois, toujours ces histoires de surface par rapport à la lumière, tout simplement. Et pas qu'à la source de lumière principale, aussi par rapport à toutes les sources secondaires de lumière, toutes les réflexions. Donc ça, j'explique ça sur mon blog. Tu peux aller voir les articles sur les ombres. Et voilà. Voilà, tu vois là, j'essaie de sublimer un petit peu ce que tu as fait, d'essayer de rendre ça un tout petit peu plus clair, plus simple. C'est vraiment traiter la simplicité du dessin ici finalement. Parce que je fais pas vraiment plus que ça. Je clarifie juste les formes. Je vais aussi maîtriser ça ici. Et je vais retravailler. Tu vois, j'aurais dû retravailler d'abord les formes générales ici.
Des fois, je m'éloigne un petit peu de mon dessin pour voir si le tout est unifié. Il faut essayer d'homogénéiser un peu le rendu. Donc, même quand tu connais la théorie, même travailler sans modèle, ça prend un peu plus de temps, évidemment, hein, ça prend un petit peu plus de tâtonnement. Là, je m'aide déjà de ce que tu as fait, donc c'est déjà nettement plus facile. Et tu vois, le côté gauche, là, il commence déjà à apparaître au niveau de la lumière. Alors, c'est sûr qu'il faudrait encore plus de travail, mais grossièrement, ça commence à... Tu vois, j'imagine la petite surface sur le côté. Après, là, il y a une autre surface ici, puis il y a une autre surface qui regarde plus à l'intérieur. Donc là, les valeurs changent. Et là, ça aurait pu être d'ailleurs une valeur plus sombre, plutôt qu'une valeur claire. Peut-être que la lumière vient un petit peu plus d'en haut ici. Donc là, on peut éclaircir un peu ça. On peut éclaircir aussi l'épaisseur de la paupière ici. Voilà. Est-ce que les volumes sont mieux? Je pense que oui. Si la lumière vient un petit peu plus de la droite ici, là c'est sûr que je vais rajouter un peu de lumière, mais là ça va être un tout petit peu plus sombre ici. Et voilà, je clarifie encore une fois, hein, c'est vraiment une question de clarté ici. Concernant les iris, elles sont un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu grand ici. Je vais réduire un peu cet iris et je vais regarder dans le miroir. Donc pour regarder dans le miroir, oups. Regardez dans le miroir, voilà. Et dans le miroir, tu vas voir des petits défauts. Donc là, tu peux rectifier, tu peux même ajouter certaines valeurs, retrancher certaines valeurs. Voilà. Donc je pourrais continuer encore comme ça, mais c'est sûr que ça devient de moins en moins intéressant parce que j'ai expliqué l'essentiel déjà. Et c'est sûr que là, j'aurais tendance à vouloir corriger donc la construction, parce que la construction d'origine est importante aussi. Là, c'est plus le regard qui bug un peu. Là, je vais creuser la pommette comme tu l'as fait de l'autre côté là-bas. Et rajouter un petit peu de cheveux de ce côté, raccourcir un peu le front. Voilà, on va regarder le avant-après. Et encore une fois, j'aurais pu travailler plus. Mais tu vois la différence. Déjà, tu voyais la différence déjà dans le miroir ici. Regarde comme le miroir, enfin, la construction est faite. Donc après, j'ai rajouté quelques valeurs. Et là, peut-être que ça ressemble déjà plus à la personne que tu avais devant toi. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Merci encore. Un dessin de Nino. Merci Nino pour ton dessin. Donc, ton dessin, il est plutôt sympa. J'aime beaucoup la tête du bonhomme. Sa tête a l'air de trois quarts. Et il y a des éléments qui nous font dire ça, comme les cheveux par exemple, le nez. Mais les yeux, pas trop. Un tout petit peu quand même. Un tout petit peu quand même. Je pense que c'est pas mal du tout. D'accord, pour la tête. Le cou a l'air un tout petit peu de travers. Les bras ont l'air un tout petit peu en chamallow, un tout petit peu en chewing-gum. Ils ont l'air vraiment très souples, on dirait du caoutchouc. Et je vais te montrer comment faire pour ne pas que ça arrive. D'accord? Et au niveau des proportions, bah, ça fait quand même un petit peu cartoon. Donc c'est sûr que les proportions, après, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas obligatoire d'avoir des proportions humaines pour tous les personnages qu'on fait. Et il est en train d'ouvrir la main. Je sais que les mains de trois quarts, c'est pas facile. Ici, c'est une main de relativement de profil que tu m'as fait, plus une main vue de dessus. C'est une vue que j'aimais beaucoup aussi quand j'étais plus jeune, parce que c'était plus facile. Et les pieds sont de profil. Alors que les pieds devraient être là, ça fait un tout petit peu trop bizarre. Tu vois, qu'ils soient de profil comme ça. Mais le rendu est relativement uni, donc c'est pas voilà, on va dire que ça reste quand même un bon dessin et je vais te montrer comment tu peux améliorer ça. Donc comment faire pour faire des articulations qui soient
bien faite. Et des membres qui soient en 3D. Essaie de penser à des formes primitives. Par exemple, un cylindre. D'accord? Ça nous aide bien. Un cylindre, ça nous aide bien. Pourquoi? Parce que c'est facile à représenter. Enfin, c'est plus ou moins facile, mais tu résumes, par exemple, un bras ici avec un cylindre. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Donc d'abord, tu choisis un axe. Pour ça, il faut deux points. Et ces points, c'est les articulations. On tire un trait entre ces deux points. Et ça, c'est la construction, hein. Il faudrait que tu l'enlèves après. Mais grossièrement, il faut que tu lui donnes une forme maintenant à ce bras. Et cette forme, c'est un espèce de cylindre. D'accord? Donc pour t'aider, tu peux faire des grosses articulations. Ça peut aider pour finalement ancrer ces cylindres. Et là, tu peux faire pareil. Donc un cylindre qui part de là, ici, qui est vu d'en dessous. Et tu vas faire une espèce de cylindre un tout petit peu plus large à la base. Et ici, tu vas nous faire une espèce de parallélépipède rectangle ici, à un point de fuite, pour montrer la main en fait, c'est-à-dire la tranche de la main comme ça. Donc ça c'est la tranche de la main, et ça ce serait le dessous de la main. D'accord? Et là tu peux placer. Moi je trouve que ton pouce il est bien fait. Tes doigts tu peux les améliorer juste en faisant une espèce de moufle, hein, ça aide bien. Tu vois, tu fais une espèce de moufle ici, après tu peux subdiviser ta moufle. Mais grossièrement, je te conseille d'apprendre à dessiner comme ça. Parce que c'est une technique d'ailleurs que j'utilise dans un de mes tutoriels gratuits sur ma chaîne YouTube. Comment ça s'appelle? Comment dessiner un personnage en moins de 10 minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici tu fais pareil. D'abord tu trouves un centre. Tu essaies de faire la même taille des articulations ici. Et en tout cas la même taille de gauche à droite. Et tu vas faire un trait qui passe par le milieu de ces sphères. Et tu vas pouvoir y planter tes cylindres comme ça. Donc là, tu vois, je suis en train de montrer une espèce de perspective. D'accord? Et quand je plante un cylindre sur un bâton, je le fais toujours perpendiculaire. D'accord? Je fais jamais quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Je fais toujours dans la même direction là. C'est perpendiculaire à la tangente ici. D'accord? Donc tu ne te retrouveras jamais avec un point là, je trace un trait, et un truc qui ressemble à ça, par exemple. Tu vois? Ça n'existe pas. Ce que je vais faire par contre, c'est faire un truc bien dans le prolongement ici. Et des traits bien parallèles. Même si ça peut ressembler aussi à des choses comme ça. D'accord? Avec des bases, peut-être, avec une base peut-être un petit peu plus large. Mais tu vois, je reste quand même perpendiculaire ici. D'accord? Donc essaie de travailler comme ça. Et essaie de faire tout ton dessin comme ça. C'est pareil pour le cou ici. Donc tu t'imagines un point là, un point là. Hein. C'est l'embranchure finalement du cou sur le thorax et aussi de la tête sur le cou. Tu fais un trait ici et tu fais ton sans trop appuyer parce qu'il va falloir que tu forcément que tu enlèves des traits ensuite à la gomme et tu dessines ton cylindre ici et là tu es sûr que ton cou est cylindrique et est crédible. Sinon pour le reste c'est cool. Donc les pieds, ce que tu peux faire c'est t'imaginer en perspective. Ce qui est bien c'est tu te dis bon. Même si tu ne sais pas ce que c'est qu'une ligne de vision, que le niveau de l'œil, bon, on s'en fiche, d'accord? Pour un dessin comme ça de face, je sais ce que c'est, on s'intéresse plutôt au design, j'ai eu ton âge aussi. Donc ce que tu peux faire par contre, c'est juste ramener les pieds un tout petit peu à l'avant comme ça. Donc on va devoir créer un raccourci, même si on ne connaît pas tout à fait la perspective. On va devoir passer d'une perspective comme ça ici, d'accord? Légèrement, ça c'est une perspective à deux points de fuite, hein, mais peu importe. On va essayer de rapprocher finalement le bout du pied ici et de tourner le pied sur cet axe ici. On va essayer de tourner ça comme ça ici et de rapprocher cette face de l'observateur, donc de nous, du dessinateur. Et pour ça, on va ramener donc un tout petit peu plus ça comme ça et on va montrer la perspective comme ceci, tu vois. À partir de cette boîte que tu as faite ici, tu vas pouvoir
mettre d'autres formes. Tu vas pouvoir construire d'autres formes. Typiquement, pour faire un pied ici, je vais arrondir juste les formes de devant ici. Donc ça, ce sera la semelle ici. Et là, il y aura les lacets en dessus. Et là, il y aura la montre. Bah ça, c'est la cheville ici, d'accord? Et là, je vais venir effacer certains des traits ici. Donc typiquement, les traits qui sont en trop. Et au pire, je les... Voilà, ça c'est en trop ici. Au pire, je les redessinerai, hein, ceux que j'ai effacés par mes gardes. Ça aussi, c'est trop paralipédique pour nous. Mais tu vois, j'ai gardé tous les traits qui nous montraient que c'était... Finalement, ça avait une forme arrondie. D'accord? Et tu as vu, notre chaussure, elle est passée de la position de profil à la position d'un tout petit peu plus de 3 quarts. Et là, tu peux y brancher donc une cheville avec un genou et tu vas pouvoir faire pareil. Donc, je fais mon petit bâton. Là, j'ai déjà un cylindre de fait, enfin, j'ai déjà une ellipse de fait. Donc, je vais faire la deuxième ellipse là-haut. Après, ça va dépendre de la perspective, mais bah, grossièrement, tu vas avoir quelque chose comme ça. Et tu vois, là, c'est déjà un petit peu plus clair. On a compris un petit peu plus. Donc, pars toujours d'une forme simple, essaie de la tourner, essaie d'être logique, et si tu as du mal, prends une boîte d'allumettes là et joue avec. Enfin, joue pas avec les allumettes, mais joue juste avec la boîte, ou en tout cas tout ce qui ressemble à un paralipipède, ça peut être, je sais pas, un disque dur, ça peut être, je sais pas, ton iPod, j'en sais rien. Peu importe, ton téléphone portable, si tu en as un. J'espère que tes parents t'ont pas acheté un téléphone portable trop jeune, mais bon, bref. Ou ta Game Boy, j'en sais pas, ça existe encore la Game Boy? Peut-être. Bref, ta console de jeu portable. Il y a quoi qui existe en ce moment? La Wii? Bref, donc... Mais non, c'est pas portable la Wii, si? Oh, je sais plus, écoute, je sais plus. Je joue sur PC, moi. Je joue même plus, en plus. Donc ça peut être pareil pour la plupart des choses, hein. Pour la tête, par exemple, quand tu as besoin d'un repère pour le milieu de la face, pour le niveau des yeux, c'est bien de faire un espèce d'œuf, tu vois, tu peux faire un œuf ici, tu vois, tu peux te faire donc un trait en perspective, hein, qui est une espèce d'ellipse, hein, finalement, enfin une semi-ellipse, et un autre trait en perspective ici pour montrer le niveau des yeux. Et tu vois, ça t'aide à mieux placer tes yeux ensuite. Mais ça, c'est tout des traits de construction. Alors moi, ce que j'aime bien faire à mes élèves, c'est prendre deux crayons différents, un crayon H par exemple, et un crayon HB. Comme ça, ils construisent au crayon H sans trop appuyer. Tu vois, tu fais tes petits cylindres, tes petits trucs, et après tu reviens par-dessus avec ton crayon HB ou ton crayon B, et tu peux effacer doucement ton crayon H, tout ce que tu as fait au crayon H, et revenir avec le crayon HB par-dessus. Voilà. Donc simplifie, t'as vu, j'ai fait pareil pour la main, j'ai fait pareil pour les articulations, j'ai fait pareil pour tout. Je suis resté avec la technique du bonhomme en bâton et j'ai dessiné ça comme ça. Et tu verras, tes dessins, ils vont être bien meilleurs, d'accord? Tu repasses avec ta gomme doucement, pour faire ce que j'ai fait tout à l'heure là, c'était un peu comme de la magie, hein, t'as vu? Mais c'est juste, c'est pas vraiment de la magie, hein, c'est juste, j'ai une forme vraiment primaire. Je lui mets des détails par-dessus, j'arrondis un petit peu ce que je veux, parce que c'est un pied quand même, ça reste un pied. Et ensuite, je viens effacer avec ma petite gomme. Et je te conseille des petites gommes stylo, hein. Ça peut être sympa d'avoir une gomme stylo. Moi, j'ai une gomme japonaise stylo, j'ai pris ça sur Amazon. Et je viens effacer là où j'ai plus besoin des traits de construction, quoi. Et ça m'arrive de construire encore. Il y a des moments où je vais avoir des perspectives difficiles et je préfère construire. Ça peut être un décor, ça peut être autre chose. Donc, n'hésite pas à faire ça. Voilà, j'espère que ça a pu te servir. Et puis voilà, je pense que j'ai fini les corrections pour ce mois-ci. J'essaierai de corriger plus le mois prochain ou le mois d'après. Et puis je vous fais une grosse bise à tous et dessinez bien.